Don't be scared. Hey, salut à tous, c'est Nefarim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Outlast pour continuer où on s'était arrêté. C'est-à-dire dans cette pièce, on venait juste de ramasser un document confidentiel. Et il y a toujours le gros lourd à notre poursuite. Hein. J'entends ces chaînes. Tiens, c'est fermé ici. Ah bon. Faut retourner dans le conduit, je crois. Faire un effort, mec. Voilà, merci quand même. Non, hop là. Ok, on y retourne. On se rappelle qu'il y a le cadavre, en tout cas j'espère. Hein. Ce serait dommage qu'il se relève. Au fond, ici. Voilà. Il y a une grille, hein, mais on peut rien faire ici. Oh, ouais. Allez, hop. Je suis désolé, mais faut que tu dégages, là. Hein. Ah. Désolé encore, hein, mais... Tiens, je m'attendais pas à ce qu'elle s'ouvre, mais... La clé de la maison, hein, salle de cinéma, derrière la lumière. Salle derrière la lumière. Ok, récupérer la clé dans la salle de détente. Yes, coming. Et voilà, tire-toi, ouais. Je suis pas rassuré quand t'es là. Je sais pas pourquoi. Donc là, il y a que dalle ici de ce côté-là, ok. Library. Quelques petites piles, ce serait pas trop haut, là, ouais. Un document confidentiel, c'est toujours ça. Traduit de l'allemand, hein, machin. Alors, j'ai des nouvelles urgentes concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Wernick à propos du moteur morphogénique qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turning. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode du docteur Wernick a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. Bien sûr, quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition, brève, certes, mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckhart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer en personne au courant de nos découvertes. Je crois que les succès du docteur Wernick représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier et constituent manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille. Signature illisible. D'accord. Ok, bon. Une pile, sinon... Non. Une pile, moi, je voudrais au départ... Hein. Au départ, hein, moi je voulais une pile, il n'y a pas une pile là sur les étagères nulle part, non? Ah c'est chiant là. Là-dessus, il n'y a pas une pile là. Oh, mec, hein. Pas de pile. Hein. Ah pas de pile. Hein. Pas de pile. Hein. Bon bah tant pis, on va faire ça, hein, mais... Mais c'est emmerdant. Ça souffle, ça? Non, ça souffle pas. Ok. Il va se passer un truc, c'est sûr! Oh, putain. Ouais, t'as raison de pas te sentir bien, parce que moi non plus, je le sens pas, là.
C'est bien ça, la salle de détente. Bon, ça a l'air, il y a un billard, il y a une télé. Hein. Ok, on peut remonter là, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose à aller chercher là-bas. Hein. Voilà, ça me paraît évident que la clé doit être ici ou pas du tout d'ailleurs. Ouais, d'accord, pas du tout en fait, c'est bon. Ok, allez, monte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais la caméra qui s'affole là comme ça, ça va pas, non? Plus jamais tu fais ça, plus jamais, tu m'entends? Allez, d'accord, c'est pour monter là. Et merde. Non. Wow, wow, wow. Ça sent la mort, mais tellement. Ça va me sauter à la tronche. Il n'y a pas de pile, hein? Il n'y a pas de pile, bordel! Oh! Eh ben, il y a une bonne ambiance ici, ça fait plaisir! Ah! Ouais. Évidemment. Oh là 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 là! Ça va me sauter à la tronche. Eh ouais, je suis obligé de passer au milieu. Non mais... Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand. The things we felt, what we believed, the overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope, a human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Eh oui, une passerelle à quoi, si ce n'est pas surnaturel? Ça, c'est une bonne question. Alors, ce mec à la voix du frère anémique du docteur Folamour, cet enregistrement audio date de 25 ans. C'est un entretien avec ce docteur Wernicke. Los Alamos, ça veut dire l'État fédéral.
Wernick parle d'hémorragie spontanée, de tumeur, de réaction psychosomatique chez des gens suffisamment déséquilibrés. Du funambulisme entre la science et le mysticisme nazi. Seul un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant parvenait à activer le moteur morphogénique. Le film qu'il projette, il m'entre dans la tête comme une de ces chansons dont on ne peut plus se défaire. Je ferme les yeux et je vois des tests de Rorschach qui ressemblent à des essaims d'insectes et à des plaies infectées. Les patients parlent d'utiliser le moteur pour faire apparaître le Wall Rider. C'est le bourdonnement que j'entends dans mes os. Eh ben, on en apprend des choses, dites-moi. Ah, ouais, bah, par là, ouais. Toujours pas de pile, non, ça vous ferait chier d'en mettre juste une petite, là. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. C'est là où que ça se passe, hein. Quoique... Ouais, c'est là-haut que ça se passe. Oh, un document confidentiel. Alors, de machin, pense à te laver... Bactérie mangeuse de chair, pense à te laver les mains. Machin a écrit... Fasciste nécrosante, c'est vrai, putain, je démissionne. Ouais. Oh. Ok. D'accord, c'est pas là que ça se passe. C'est là-bas. Oh. Allez, c'est parti. D'ailleurs, plus personne, là, c'est ça l'idée? Non, c'est peut-être pas ça l'idée. Oh! Oh yes! Une pile! Ah ouais! Ah là, il nous en fallait, là. Ah. Oh! 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 Alors... Alors toi, mon salaud? Et donc je peux pas y aller. Il veut pas. Faut que je trouve une entrée alternative. Mec... Ouais, bah... Wow. D'accord, ici. Je vois tellement rien. Elle va être là-bas, la clé. Allez. Ouais... Oh, faut que je saute. Nice. Elle est là, la clé. Mais avant ça, une petite pile. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Si t'arrives là... Ok, la clé d'accès au niveau 3. Retrouvez le père Martin au niveau 3. Ouais, bah il serait temps, ouais. Je meurs là si je saute. Je préfère pas essayer. Hein. Donc on va se rebarrer par ici. Oh non, mais les piles, la blague. Oh là là là, c'est insupportable, ça. Non, c'est fermé. Allez. Fou.
Et merde. C'est toujours fermé là. Ah ouais, c'est toujours fermé hein. Ah. Oh merde. Oh non les mecs, pas vous. Ok, go. Oh oh. C'est par où déjà? Non. Hey! Ouais! Ouais! C'est bien ça! Attends, ferme-moi ça! Ah! Oh ouais, une pile! Ah merci, merci beaucoup! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne là, calme-toi! Enfin, il y a personne pour l'instant quoi! Ok, donc bah ici! Incroyable! Ferme-moi ça! Wouh! On y arrive! On avance! Incroyable, mais vrai! Oh! Ouais. Ok. Ah! Ok. Fermé, d'accord. Une petite... Mais arrête ça, putain! Une petite pile là-dedans. Ce serait pas de refus, hein. Ouais, je sais, j'en réclame beaucoup des piles, mais il nous en reste que 3, hein. On va faire attention un peu. Père Martin, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, non? Père Martin, est-ce que c'est vous? Oh, une pile. Nice. À côté d'un bras. Oui, oui. Père Martin? Ah, toi, t'es pas le Père Martin, toi. Pas du tout, genre. Là, non, non. On est, non. Là, on n'est pas bon avec lui, hein. Y'a pas de pile ici, non? Ok, là. Ouais, ferme ça, ouais, bien sûr. Ouais, les piles, ça va. Il n'y en a pas là, non. Une note. Encore ces parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est super, ça me dit pas où aller, ça. Oh putain, sérieusement quoi, fallait venir jusqu'ici. Oh là 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 là, non mais la blague. Ah. Bon bah mec, ça va. Ok. Non, ça je vais le laisser ouvert. Au cas où, faut que je me tire. Hein.
Il ne doit pas y avoir de petites piles là-dedans. Non? Bon. Tant pis! Pardonnez le dérangement, hein. Je regarde juste. Non, bah je vous laisse tranquille alors, oui, je. Pardon. Oh bah dis donc, mais c'est la fête ici, hein. Il s'en passe des choses. Restez dans vos tanières, c'est très beau! Wow! Toi, t'es. Toi, t'es trop près, je disais. On peut peut-être passer par là. Salut, salut les gars. Ah, des piles, s'il vous plaît, des piles. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, tu vas te calmer, hein. Ça va bien maintenant. Là, document confidentiel. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Wall Rider. Que mon apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu. Ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Mec, non. Non, juste non. Ça va bien. Oh yeah, baby. Ah, une pile. Trop bien. Allez-y, change. Merci. Il y a que dalle. Ouais, bon bah... Je sais où je dois aller, du coup. C'était laquelle? C'était celle-là. Quel côté? De quel côté? Par là. Oh putain, c'est beau, hein. Va se fermer. Il va pas me sauter à la tronche, lui. Non, non. Bonjour. Dieu est la maladie. Ouais. Oh, wow. Tu te calmes. Ah, ouais, on se retrouve ici. Ok. Bon. God est l'argent, d'accord. Salut les gars. Was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. L'ascenseur vous mènera à la sortie principale, ouais. Ah,
tu te calmes. Waouh ! J'arrive pas à croire que le père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. J'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Ouais, ben on va voir ça, hein. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! I don't see no